ses deux petites jambes, là, la petite tête, hein? Qui sait quoi de retrouver? Qui êtes-vous? Pourquoi portez-vous ce masque? C'est moi. Corvo? Corvo, c'est toi! Tu portes un masque pour fouiner un peu partout? Ils m'ont dit que tu avais eu la tête coupée en prison, mort comme maman. Mensonge! J'ai l'impression que c'est si loin. Mais tu n'es pas mort, alors on peut partir. J'ai un plan, j'ai déjà presque réussi. Il y a une porte pour les allées et venues des gens spéciaux. Je vais te montrer. Et si quelqu'un essaie de nous arrêter, tu peux les battre. Tu peux les battre, si tu veux. T'as le droit de les tuer. Ah. Ok, attends, j'arrive. Oula, hop. Le mange-moi d'abord. Il y a une rune juste là côté. Ah, ok. Ah oui, au moment où je vous parle, Narlis, donc de AGKC, m'a prêté son HDPVR. Donc du coup, vous aurez probablement des vidéos sur les jeux que j'avais prévu de faire sur ma PS3 et peut-être sur d'autres, je verrai. Eh oh. Non. Je suis vraiment désolé, je sais pas qui était là. Et peut-être sur d'autres jeux aussi, je verrai. Donc on aura probablement du... Vous avez vu peut-être qu'il y a une nouvelle série qui est sortie. C'est... C'est vrai, série, on peut dire ça. C'est GKC Playground. Et en bref, ce sera tous des jeux où... Comment dire? Attendez, il n'y a pas vraiment... Non. Je ne sais plus de quoi je parle. Ouais. On va faire, probablement faire des jeux comme quoi on va pas faire de suite, etc. Ce serait vraiment juste pour le délire, etc. Et un des jeux qu'on compte faire, ce sera sûrement du Battlefield, mais apparemment, ce sera sans Neocantalion, qui lui n'aura pas sa PS3, ce qui revient pendant quelques temps en Belgique. Mais il aura son ordinateur et une bonne connexion, donc on pourra refaire du Dead Island, du Borderlands et tout un tas d'autres jeux qu'on pourra tester. En espérant qu'on... Ce sera plutôt sympa à faire. Hop, alors... Je dois faire quoi là? Marchand de tableau. Fumoir. J'allais faire le marchand de tableau. Ouais, alors, attendez. Il y avait un truc... Non, c'était là. Ok. C'est passé, je sais pas comment, mais c'est passé. Bon, alors. C'est merveilleux. Qui c'est qui t'a appris à faire ça? La plupart des prostituées sont des fermières vendues à la mer Matra. J'ai étudié à Samara. Alors, malheureusement, ne fonctionne plus correctement, c'est la deuxième fois, vous n'aurez pas la troisième chance, c'est compris, et réparez là rapidement et vous êtes renvoyé. Car où vous êtes renvoyé? Car je n'ai pas envie de risquer un autre accident, donc il y a un compte parmi les plus importants de la ville, Madame Prudence. Il passe par une quête que j'ai chopée sur la maquerelle. Pour des heures, comme toujours. Ah, oh, vraiment désolé. Comment puis-je vous satisfaire? Attention, encore une fois, je pense, non? Non, ça va, ok. Quelque chose a changé en moi depuis que j'ai participé à ces combats de chiens. Il y avait Smolos et... Vous n'êtes pas le seul à qui c'est arrivé. C'est qui ça, en fait? On dirait un officier. C'est quoi ce bruit? Oh non. Et ouais. Ça c'est super classe. On n'aura qu'à dire que c'est lui qui
qu'il a trop bu, que c'est un pochetron et qu'il n'a pas une connerie. Voilà. Alors, cherchez pas, mais il me semblait que dans l'eau, il y avait des poissons. Ouais, voilà. Une mixine, un poisson carnivore, dans la fontaine. Voilà. Pas compris. Oups. Officier de la garde. Ah, ok, c'est un officier. Ok. Petite sauvegarde automatique. Oula. On se fait craquer. Je vais vous trouver. Ne me faites pas appeler la garde urbaine. Et yep. Garde urbaine. Allez. On va le tuer celui-là. Où êtes-vous? Une sauvegarde peut-être. Allez hop. Je vais vous trouver. Ne me faites pas appeler la garde urbaine. Bon, j'aurais fait les trucs comme je voulais. C'est-à-dire faire le meurtre de l'officier. Je sais plus si c'était là ou pas. C'est magnifique, poupée. Reprenez là où vous en étiez, Morgane. À ce moment-là, ils avaient deux voix d'avance. Et le règlement... Tiens, donc il est là. Comme dans mon partie, en fait. Mais il me semble que j'avais vu une vidéo où un des Pendleton était... Oh là, c'est bug. Tant mieux, c'est clean. Un des Pendleton était dans l'endroit où j'ai enfumé l'officier et la prostituée. Enfin, ça fait 20 minutes que je suis comme ça. T'en fais du bruit quand tu marches. T'aurais pas pris un peu de poids, ma jolie? Comme la dernière fois, d'accord? Lentement. Et c'est moi qui donne le signal pour les décharges, c'est clair? Le code de ce soir, ce sera, disons, châtiment. Si je le prononce, tu arrêtes tout. Une décharge de trop, et tu bosses plus ici. Ah, oh, merde. Et voilà où nous nous retrouvons. Oh, c'est bon. Je l'ai mérité, celle-là. Tu sais pourquoi? Les Pendleton sont là, pas vrai? Je commence par eux. Je les ai arnaqués. Des milliers et des milliers. Merde. Ah, cruel. Ne te retiens pas. Je vais tout déballer. L'héritage des Pendleton vaut des centaines de milliers au bas. Je leur ai dit que c'était du vent. Désolé, je suis confus, je... Châtiment! Châtiment! Ah, c'était parfait. Mais j'ai eu ma dose pour la soirée. Appelle Mélarbin, tu peux partir. Pardon. C'est fini, j'ai dit! Châtiment! Détache-moi! Je devrais fouetter ça. Ta gueule! Mais. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? La combinaison de ton coffre. Le coffre? Oui, bien sûr. La combinaison, c'est 1, 3, 8. Prenez tout ce qui vous chante. Ma poitrine va éclater. 1, 3, 8. Et on peut continuer ou pas? Pitié! Mon cœur va pas tenir, demandez-moi n'importe quoi! Oui, j'ai grugé les Pendleton, et j'ai été chez les Brimsley. Ils vénèrent l'Outsider, je les ai vus. J'ai fait comme eux. Allez. Ça va aller comme ça. On va le laisser. Bon, un petit coup avant. Pitié. Ok, bon, alors pour les Pendleton, je vais pas les tuer. Ça vaut pas la peine, quoi. Bon, du coup, c'est vrai que j'aurais pas récupéré beaucoup d'argent. J'aurais pas des masses fouillées. Comme vous avez pu le remarquer, mais... Au moins, cette mission est bientôt terminée. Et nous allons bien voir où est-ce que...
Les Pendleton sont revenus. Des Richards pas trop crades. Que demander de plus? Mais il picole, je supporte pas ça. Enfin, je me plains pas. Morgan a pris la salle ivoire avec Lulia. Kusty, c'est bon. Hello, you. Désolé, j'ai vu qu'il y avait de l'essence de cigu à récupérer. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas m'empêcher. Allez hop. Sortons de cet endroit de misère. C'est pas un bon endroit pour une petite fille. Attendez, juste une petite coupure. J'arrive. Ouais. Bon, je me suis un petit peu foiré pour l'épisode passé. J'ai cru que ça durait plus longtemps. En fait, non. Nous étions qu'à 15 minutes de vidéo, donc bah, tant pis. C'est fermé à clé. Ouvre la porte pour qu'on puisse quitter cet endroit. Et ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas trop grave. Cible sauvée. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas ma dernière rune. Arrête de tripoter mon col, maman. La danse va bientôt commencer. Mes cheveux sont assez lisses. Il sera là, c'est sûr. Ok. Cette femme est totalement tarée. Votre attention, citoyen de Dunmore. Ce quartier est désormais soumis au rationnement de l'huile de baleine. Toute désobéissance sera sévèrement punie. Bon, hop. Vous avez un avant, t'as un canard. Et c'est parti. Bon bah du coup, c'est vrai qu'un épisode d'une demi-heure pour terminer cette mission là, ça aurait été un petit peu long, donc du coup, l'épisode de 15 minutes et l'autre, je me suis déjà 10 minutes pour le moment là. Oula. J'aime bien cette animation. Ouais. Bon alors, Slack Joe, où es-tu? Thank you. Hello. Ah ben. J'en vais en arrière. Vous comprendrez. Ouais, bon. Tant donné que nous avons déjà foutu assez de bordel dans cette ville. Votre attention, citoyen de Dunois. Le Lord Régent a décrété le rationnement de l'huile de baleine dans ce quartier. Tout contrevenant sera immédiatement arrêté. Quelque chose se prépare. Aïe! Connard! Par contre, la tour que j'ai piratée, elle tue encore je sais pas combien de gardes à la seconde. Bon, Déployez-vous, on dirait qu'il y a du raflux. Yeah! Je me dis, on va donner le code du coffre à Slack Joe pour qu'il s'occupe des Pendleton. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas fait un tour dans le coffre avant? Non. Ah, elle est là. C'est génial, ça. On a sauvé Emily. Les Pendleton vont se faire dégommer. Pas dégommer, sans mourir, quoi. Mis hors service, quoi, en gros. J'ai des réserves. Y'a qu'à dire que je récupère la bouffe et que je la donne à mes potes, quoi. Ça me paraît bien. C'est vraiment une saloperie, putain. Ah ouais, ok. Ça arrive à l'endroit où il y a le marchand. Je sortirai par là, du coup. Ou par le toit. Si, il y a un toit. Alors. Oui, voyez-vous. Il n'y a rien. Et hop, hop, hop. C'est bizarre, ça. Il faut être le meilleur plan pour faire du fric. Oh, mec.
Ça doit valoir quelque chose. Merde, il y a des voyous. Fais chier. Je crois que j'ai déjà vu un tableau comme ça chez ma grand-mère. Et c'était pas une duchesse. Ouais, ça doit pas valoir un clou. C'est même pas la peine qu'on les enlève des murs. Je monte. Je vais voir si les deux autres auraient pas trouvé mieux. Les deux autres. Nombre du bonheur, Pracha, Will sur cuir. Will sur cuir. Hein? Wow! C'est lui les dents! Oui! Ça règle les choses. Bah oui, oui. Bon. Ok. Tout va bien. C'est bizarre ça. Bien content pour faire du fric. Pauvre mec. Ça doit valoir quelque chose. Non? Que dalle. Je crois que j'ai déjà vu un tableau comme ça chez ma grand-mère. Et c'était pas une. Allez, attrapez-le! Où est-il l'autre? Il est là. Lumière sur la courbe d'inversion. 300 pièces d'or. Voilà. Quand je dis ça, je dis rien. Je dis qu'ils sont un petit peu cons en fait. Ouvrir. Ah, ça c'était ouvert. Si on n'avait pas les clés au cas où. D'accord. Puis sur toi, mais y'a rien. Je sais pas ce que tu fais, mais y'a rien accroché là. Ok, bon alors. Un dernier essai. Une porte pareille, ça protège forcément des tas de trucs intérieurs. Je viens de te le dire, pas la peine. Pousse. Moi par contre, je me suis déboîté l'épaule. Essaye encore au lieu de chialer. Imagine les trésors qu'on pourrait trouver derrière, ça t'aidera à passer la douleur. Bah, si tu le dis, enfonce-la toi-même. Si jamais il y en a qui ne veut pas ici. Ah oui, aussi, un truc que vous pouvez remarquer, c'est que le jeu n'est pas mis en pause quand je fais ça. Regardez-le. Quoique. Si c'est mis en pause, tiens, c'est pas normal. Qui c'est? Quelqu'un avec des pièces? Alors, qu'est-ce qu'on peut lutter comment lui maintenant? Ça paraît bien. Où es-tu? Je t'ai eu. Ça va. Oh merde. Oh merde. Ok. Non, il n'y a rien ici. Là, il n'y a que dalle. Je me souviens qu'il y avait 3 tableaux. Non, c'était 1, 3, 8, si je dis pas de bêtises. Sinon, j'allais voir dans le journal. Oh yeah, mémoire de fou. Castis, Morgane et l'enfant postulant. L'enfant postulant, c'est celui qui est en haut de piste. C'est ce Pendleton là. Alors, y'a rien d'autre à voler ici? Une urne des carmines, ouais, ça me paraît bien. Invitation de la soirée des Boyle. What the fuck? Une rune. Ben voilà. J'ai ma rune. Merveille. Je suis presque sûr qu'il y avait un truc à récupérer à cet étage aussi. D'accord. Bon, l'étage en bas peut-être. Il y en a 3 tableaux, je suis sûr et certain de ce que je dis. Le truc c'est de savoir où il est. Bon, je vais chercher. C'est bon, bien trouvé. Voilà. C'est une pièce que j'avais totalement zappée. Réouverture du Golden Cat. Blablabla. Il est là. Est-ce que c'est Dowd et la parabole des saisons perdues? Dowd. Dawn, c'est. C'est le chef de la bande des assassins. C'est des autres assassins. Bizarre.
très bizarre. Ça ne plaît pas. Habituellement, je regardais les tableaux, j'ai pas fait attention. Je me souvenais plus des titres, donc. Alors, Natalia works among us. Il marche parmi nous. Mon dieu. Bref. Sortons. Oui. L'épisode sera un petit peu plus long, je suppose, du coup. Vu que si j'ai un peu foiré ma coupure. Ça te fait un peu plus attention, du coup, après. On va se débarrasser des Pendleton. D'une façon non létale. Ça me paraît bien. Alors, non létale, comme on avait fait pour Campbell. Non létale, c'est juste. Il l'a pas tué, en gros. Parce qu'on l'a quand même arraché la gueule. Le visage. Excusez-moi. Vous avez la combinaison? Ouais. Ça fait des mois que je la cherchais. Si vous voulez du boulot, passez me voir. Je sais reconnaître une bonne recrue quand j'en vois une. J'imagine que vous vous demandez ce que j'ai l'intention de faire des Pendleton. Il se trouve qu'ils possèdent des mines de diamants. Ils exploitent des centaines de malheureux à près d'un kilomètre de profondeur. Alors moi, je vais leur raser la tête, leur couper la langue et les balancer dans l'une de leurs propres mines, histoire qu'ils voient la vie sous un autre angle. Ouh. Ça, j'aime. J'aime cette façon de voir les choses. En fait, c'est... Allez. C'est peut-être un criminel, le mec. Je m'envole. Tu t'envoles. Bref. C'est peut-être un criminel. J'ai peut-être tué la moitié de ces hommes. Ils sont devenus des géniaux. Mais... Il y a quand même du cœur. Merde de rien. C'est pas non plus un sale type. Totalement. Votre attention, citoyen de Donroy. Alors... Je suppose qu'il peut être vivant ici. Lâchez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Bim. Et c'est parti. Nous allons terminer cette mission en beauté. Avec Emily et Samuel, le passeur. Hello. Vous allez y retourner, Corvo? Vous n'avez pas perdu de temps. Montez. Oui, ramenons Emily. Et nous allons nous quitter sur cet écran magnifique. Salut à tous.